The European Union's Internal Market Commissioner said that the bloc has not renewed orders for the AstraZeneca jab. Neither is the bloc certain about renewing them anytime soon. The deal between the EU with the AstraZeneca ends in June, and uncertainty now looms large over the vaccine's future in Europe. The EU had launched legal action against the pharma giant last month for vaccine delivery shortfalls. The EU accused AstraZeneca for delaying the delivery and hampering its efforts to kickstart inoculations across the bloc. C'est une excellente question. On n'a pas renouvelé la commande après le mois de juin. On verra. On regarde ce qui se passe. On verra. AstraZeneca est un vaccin d'abord simple adénovirus. C'est un vaccin qui est très intéressant. Il a été découvert par des chercheurs de Oxford. Mm-hmm. Il est très bon. Il a surtout l'intérêt de pouvoir être utilisé dans des conditions, comme vous savez, logistiques et de température qui permettent. On a commencé effectivement avec Pfizer parce qu'on est en train de travailler, BioNTech, parce qu'on est en train de travailler sur la deuxième phase des vaccins dits de deuxième génération, c'est-à-dire nous mettre en situation, là encore, avant les autres. The public confidence in this jab has taken a blow as reports of rare blood clotting cases emerge, and several EU nations have either banned or moved to other more trustworthy jabs for their vaccination drives. À l'automne dernier, on pouvait savoir quel vaccin marcherait ou pas. Et je pense que ça a été une bonne politique d'acheter des vaccins avec toutes les solutions possibles, ce qu'ont d'ailleurs fait la plupart des autres grands pays et des autres grandes puissances. Nous devions acheter des vaccins ARN messager, adénovirus, protéines recombinées, donc on a pris tout ce qui était à ce moment-là disponible parce que personne ne savait ce qui allait marcher. Nous avons maintenant un retour d'expérience et d'ailleurs nous vaccinons avec ce vaccin en France et en Europe. Il faut continuer de le faire parce qu'il nous aidera à la sortie de crise. Mais pour répondre en particulier aux variants, puisque on parle des commandes à venir, pour répondre aux variants, on voit que d'autres vaccins sont aujourd'hui plus efficaces. Donc cela signe un pragmatisme européen et je m'en félicite. Denmark was the first country in the bloc to have banned the adenovirus vaccine last month. Britain's team overseeing the COVID-19 vaccine campaign recommended people under 40 years to go for alternate jabs. The Joint Committee on Vaccination and Immunization said that it was taking the precautionary approach for adults aged between 30 and 39 years after the assessment of blood clotting risks. Britain's remarks came a day after Commission Chief Ursula von der Leyen said that the EU had concluded a deal with rival drug maker BioNTech, Pfizer, for up to 1.8 billion extra doses of their COVID-19 jabs. The contract is on top of the 600 million Pfizer-BioNTech doses that the Commission has already secured. The Commission says that the AstraZeneca jab looks set to deliver only a third of the 300 million doses that it had promised by June. The EU initially intended to use the AstraZeneca jab as the main workhorse to power the bloc's inoculation drive, but it has now switched to the more expensive Pfizer vaccine as its mainstay. VEON World is now available in your country. Download the app now and get all the news updates on the move.